Bon, je sais que je te pose souvent la question, mais tu fais quoi, là? Je bricole des panneaux d'isolation pour le local. Ça fait 6 mois que je bouffe que des œufs. C'est pas très vegan, alors, mais bon. T'es au courant que tous les murs du local sont recouverts de mousse acoustique, hein, y compris le plafond, hein. Même les parties blanches, c'est de la mousse acoustique. D'ailleurs, c'est pas très malin d'avoir mis tes photos de vacances sur le mur, hein. Ça annule un petit peu les effets de la mousse, quoi. Sûr ? S'il y a bien un grand classique dans l'imaginaire collectif des musiciens, c'est l'utilisation de la boîte à eux pour l'insonorisation de son local de répète. Ben oui, quand t'as pas de thune et que tu veux insonoriser ton local de répète à moindre frais, c'est souvent une des solutions qui est envisagée. Mais avant de se lancer dans une collecte massive de boîtes à eux, on va se poser 5 minutes et éclaircir 2-3 petites choses. Alors pose-toi les bonnes questions! Déjà, ce que l'on peut se dire, c'est que si la boîte à eux est un isolant aussi efficace, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas un petit peu partout? Dans les salles de répétition mal isolées à faible budget ou dans les petites écoles de musique de campagne, on n'en voit pas. Et encore moins dans les home studios. Et effectivement, là, on verra généralement des mousses absorbantes ou mousses acoustiques. Ah ouais, c'est plus esthétique! Oui, mais si tu regardes, bien souvent, ça ne recouvre pas intégralement tous les murs. Mais on voit juste quelques petits panneaux par-ci, par-là. Et c'est pour une raison très simple. Le but de cette mousse, ce n'est pas de faire de l'isolation phonique, mais du traitement acoustique. Et c'est pas la même chose. Si tu ne veux pas que le son sorte de la pièce, il faut isoler celle-ci phoniquement, avec des matériaux spécifiques. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Et les mousses, c'est pour le traitement acoustique, afin d'avoir un bon confort d'écoute dans la pièce. Donc avant tout pour éviter que ça résonne. Après, ça va quand même participer un petit peu à l'isolation phonique, mais c'est pas son but premier. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de faire comme ici et d'en mettre partout. En fait, généralement, on se contente d'en mettre aux endroits où les ondes sonores se réfléchissent. Donc ce sont les sources sonores et la zone d'écoute qui définiront l'emplacement des mousses d'absorption. Et là, du coup, si on n'a pas de mousse, on peut mettre des boîtes à eux. Ben, j'ai envie de te dire, essayons. On va faire une petite expérience scientifique et comparer l'efficacité de la boîte à eux face à de la vraie mousse absorbante. Eh, viens par là, toi. Pour les besoins de l'expérience, je suis allé chercher dans le tas de merde au fond de mon garage une chute du matériau qui a été posée par-dessus les murs en briques du local. Qui ne sont pas en briques, d'ailleurs. C'est ce qu'on trouve sous la couche de mousse acoustique qui recouvre les murs du local. Et c'est une simple plaque de BA13. C'est très courant dans le bâtiment. Mais c'est le matériau qu'il y a collé derrière la plaque qui sert d'isolant phonique. Et pour ceux qui se poseraient la question, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Je suis vraiment désolé. Tiens, je vous montre comment ça se présente de profil, du coup. Est-ce que ça s'entend, là, que le son est vachement directionnel au local ou... C'est un bon isolant phonique, là. Parce qu'il faut pas faire, je suis tout pourri. Eh, hey, tu passeras la spie dans le local après, s'il te plaît. Mais pourquoi c'est toujours à moi de passer la spie? Donc cette plaque de BA13, on va la poser contre un mur, histoire de simuler le comportement acoustique original du local. C'est-à-dire le comportement acoustique du local avant qu'on y ait mis des mousses absorbantes. Et on va pointer contre la plaque le meilleur ampli du monde, le Fender Mustang V2. Oui, je sais, normalement, on place pas un ampli face à un mur comme ça. Mais là, le but, ça va être d'observer à quel point la surface vers laquelle l'ampli est dirigé réfléchit le son. Et pour savoir à quel point le son est réfléchi, on va placer un micro face au mur, légèrement au-dessus de l'ampli, mais surtout derrière celui-ci, histoire qu'il capte surtout le son qui est réverbéré par le mur. Étant donné que l'on veut tester la capacité d'absorption de différents matériaux, on voudra que la source sonore, mais également la prise micro, soit identique pour chaque test. J'ai donc enregistré en DI un riff de guitare que je vais réamper dans l'ampli. Et ceux pour qui je viens de parler chinois, on a fait un épisode sur le réamping. En gros, on va envoyer depuis un ordinateur une prise de guitare brute vers l'ampli. Ce qui fait qu'à chaque fois, on aura le même riff joué par la même personne sur la même guitare, envoyé de la même façon dans le même ampli. Les réglages et la position de celui-ci ne changeront pas, tout comme la position et le gain d'entrée du micro. La seule variable, ce sera le matériau que l'on placera devant l'ampli. On aura tour à tour du BA13 nu, puis on placera contre ce BA13 des boîtes à eux, et enfin on enlèvera le tout pour pointer directement contre le mur du local, qui lui-même est composé d'une plaque de BA13 recouverte de mousse acoustique. Le temps de mettre tout ça en place, et on lance l'expérience. Et est-ce que je dois vous rappeler qu'il vaut mieux écouter ça au casque ou avec des vrais haut-parleurs ?
Parce que comme souvent, avec le haut-parleur pourri du téléphone, ce sera pas franchement parlant. Bien, après écoute de tout ça, ce que l'on peut constater, c'est qu'avec l'ampli face au BA13, le son est énormément réfléchi. Même avec le micro placé derrière l'ampli, on a l'impression que le son a été capté en face de celui-ci. Avec les boîtes 2, on entend une légère dégradation du son, on perd un peu en aigu. Ce qui veut dire que les boîtes 2 ont absorbé une partie des fréquences aiguës que le micro n'a pas pu capter. Il se passe un petit quelque chose, hein, faut bien le reconnaître. Mais bon, il n'y a pas photo. Quand l'ampli se retrouve face à la vraie mousse acoustique du local, là on perd énormément de fréquences. Parce qu'elles ont été absorbées en grande partie par la mousse. Et au final, on entend surtout le son direct qui provient de l'arrière de l'ampli. Des basses. Ce que l'on peut donc conclure de cette expérience, c'est que les boîtes à eux ont un effet quasi négligeable. Alors bien évidemment, cette expérience n'a pas été menée avec la plus grande rigueur scientifique. Certains diront que mes boîtes à eux n'ont pas recouvert l'intégralité de la plaque de BA13. Et certainement, ça a dû jouer un peu. Mais quand même, on a pu se faire une petite idée du truc. Et on entend clairement une sacrée différence de réflexion entre les différents matériaux. Quand j'ai préparé cet épisode, j'ai également pu mettre la main sur de la mousse acoustique premier prix. Alors je l'ai testé aussi. Et voilà ce que ça donne. On remarque que c'est mieux que rien, mais c'est à peine plus efficace que les boîtes 2. Alors, il vaut mieux se renseigner avant d'acheter n'importe quoi. D'ailleurs, les mousses acoustiques peuvent avoir des fonctions différentes. Il y en a certaines qui absorbent, comme ici, et d'autres qui diffusent. Il en existe de différentes formes, matériaux et couleurs. Et comme on vient de le voir ici, ça peut pas franchement être remplacé par des boîtes à eux. Et surtout, il faut bien garder à l'esprit que la mousse acoustique, bien qu'elle participe à l'isolation phonique d'un local, ça n'en est pas l'élément principal. C'est fait pour le traitement acoustique, pas pour l'isolation phonique. Par contre, les boîtes 2, c'est vachement bien pour y mettre des œufs, d'où leur structure alvéolée. Et leur ressemblance avec la mousse acoustique s'arrête là. Et je pense ne pas trop me mouiller en disant que ça isole que dalle. On peut faire l'expérience, hein, si vous voulez. On peut tester la capacité d'isolation phonique des différents matériaux qu'on a vus aujourd'hui. Hein, tous ceux qui commentent régulièrement, là, dites-nous hein, si ça vous branche. Même ceux qui commentent jamais, c'est le moment d'essayer. Vous verrez, ça fait pas mal. Le Zav et moi, on s'éclate à chaque fois qu'on lit vos commentaires. D'autant qu'il y en a de plus en plus, puisque vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner. Et ça, ça fait plaisir. Et au fait, on est bientôt à 2000, non? 1995 à l'heure à laquelle on enregistre. Eh, on devrait faire une FAQ, non? Ouais, j'irai pas jusque-là non plus. Bah pourquoi pas? On verra quand ils seront 10 000. 10 000 Schmirlap? Ça fait beaucoup quand même.